Conçu à base d'extrait de carotte et de papaye, le savon Cumix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médicale et antiseptique, les gammes de savon Cumix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Cumix, votre meilleur soin. Bonsoir à tous. Merci d'être là au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. En fait, la télé commence maintenant. Merci de vous installer. L'équipe est bien présente. Vous savez, une leçon que je retiens depuis hier, généralement, pour vous nommer à un poste, on vous consulte, mais pour vous démettre, c'est pas surprise. Et quel que soit là où vous vous trouvez, eh bien, faites un effort, cultivez l'humilité. C'est très important parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout simplement. Allez, on va faire de la télé. Jacques, Mélénita, Elisabeth, Kevin sont présents sur ce plateau. Jacques,
Bonsoir Magloire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir à tous, ça va bien. Soyez en sûrs, moi je suis à mon poste et je rends grâce à Dieu, tout va bien. Et donc j'espère que chez vous également vous êtes à votre poste. L'humilité, voilà. L'humilité. Je salue particulièrement toutes les personnes discrètes. Très bien. Les personnes qui sont souvent dans leur coin, ils ne parlent pas souvent. Il faut plutôt avoir peur d'eux que de nous qui parlons chaque jour et que vous nous tirez dessus facilement. Sérieux, quand tu as un président d'association qui ne parle souvent pas, il faut avoir peur de lui parce que tu ne sais pas ce qu'il peut te sortir du jour au lendemain. Nos associations, on ne comprend pas. On te donne un travail, le gars, il ne te dit rien. Mais sache qu'au cours d'une réunion, il peut taper du poing sur la table. Voilà. Et lui, il ne veut plus le voir. Non, lui, là, il ne fait plus partie de l'association. Donc, je salue tout le monde et puis faites extrêmement attention. Très bien. Voilà. Allez, Vélédita, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir à vous chez vous, vous qui nous faites toujours le plaisir d'être là à chaque rendez-vous de cette émission. Je vous souhaite un bon moment de partage avec nous. Merci. Élise. Bonsoir, Magloire. Ça va? Je vais très bien. D'accord. Bonsoir au couple du plateau. Ouais. Bonsoir, Kelly. Ça se voit. La nature est sur le plateau. Je vais passer après par le butodrame, mais j'aimerais dire un bonsoir particulier. Aux femmes enceintes, apparemment, on a fait ensemble pour pouvoir supporter leur crachat en circulation. Donc, je leur dis bonsoir. Pardon? Les femmes enceintes en circulation qui oublient carrément qu'elles sont en circulation. OK. Seigneur. Genre, oui, mais bon, je comprends. Il faut excuser. Voilà, je comprends. Que... Excusez-moi. Voilà, mais au moins, il y a, comment dire, une bouteille des fois qu'elles exploitent. Je ne sais pas, en papier mouchoir à côté. Mais une aujourd'hui, carrément, j'ai pris ça. Elle t'a douché. Dieu. Mais j'ai respecté son petit bébé. Oui, mais au même moment, courage à elle parce qu'on sait. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas chose aisée. Et puis, par rapport à ce que Jacques a dit tout à l'heure, eh bien, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il faut faire beaucoup attention. N'est-ce pas? Toujours, parce que. En tout cas, le président d'association. Qu'on connaît très souvent, que ce soit de façon générale ici ou ailleurs, ceux qui sont silencieux, ils peuvent se réveiller et taper seulement sur la table et dire « je décide que ». Et c'est sans recours. Et c'est l'application immédiate. Désolé. C'est sans recours. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va super bien. C'est un plaisir renouvelé chaque fois qu'il sonne 16h, chaque jour de lundi à vendredi, quand il sonne 16h sur la première. En tout cas, ça fait plaisir d'être là et de savoir que vous êtes là également. Tu sais, Magloire, je veux te raconter un truc. Quand j'étais petit, je ne parlais pas du tout. Ah. Moi, ouais, j'étais très timide. Très bien. Très timide. Attends. Et un jour, je me rappelle bien, souvent quand ma maman me charge, ma petite soeur, quand elle me fait des reproches, quoi, ma petite soeur met la bouche dedans. Oui, et oui. Finalement, ça devient son affaire. Un jour, ma maman lui a dit, tu vois, ton grand frère, il ne parle pas. C'est un fou, hein. C'est un fou. Quelqu'un qui ne parle pas, il faut avoir peur de lui. Parce que le juif va se réveiller. Si je ne suis pas à la maison, tu n'es pas sauvé. Et surtout, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est simple et qui ne parle pas. Oui, oui, c'est pas bon. Oui, oui, parce que après, ça s'est concrétisé. J'ai pas dit. Non, ne raconte pas la suite. Allez, je m'imagine un peu. Ne raconte pas la suite. Oui, c'est comme ça. Toute la nuit d'hier, beaucoup se sont interrogés. Il s'est passé quoi? Bon, allez, là... À cette question, c'est hier que j'ai su qu'il y a des sorciers. Mm-hmm. Oui, oui, il y a des gens qui sont capables de faire retour dans le passé, d'aller évoquer des sujets qu'ils n'ont jamais vus comme ça. Oui. Des gens ont inventé certaines situations véritablement qui m'ont surpris, mais j'espère qu'ils vont assumer ce qu'ils disent et leurs inventions, parce que je pense que c'est des histoires vraiment inventées. Oui, mais il y en a, on a vu beaucoup de choses. Bon, allez... Vaut mieux prendre le temps dans ce genre de situation, quand il n'y a pas de raison officielle, vaut mieux prendre le temps d'observer. Et le temps fera sortir la vérité. C'est mieux.
Allez, très bien. Bon, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va passer au sujet du jour. Le sujet qui nous concerne dans cette émission cet après-midi, c'est bien. C'est la semaine dernière, nous parlions de culte de la personnalité. Et je crois, hein, c'est la semaine dernière. Le sujet s'invite dans l'actualité dans notre pays. Les véhicules donnés aux maires ou aux mairies, si vous voulez, ça vient de qui? C'est du président de la République ou c'est du gouvernement? Voilà, question importante qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va ensemble aborder ce sujet pour qu'on puisse comprendre un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai, on a évoqué hier la contribution du gouvernement à la décentralisation, notamment avec les 2,9 milliards de francs CFA octroyés aux mairies pour pouvoir commencer leur travail. Et à la clé, il y a également 117 véhicules qui sont donc mis à la disposition des nouvelles mairies, puisqu'elles sont 117, donc chacune aura une voiture pour pouvoir une voiture de fonction pour pouvoir exécuter les travaux. Maintenant, il se dit que beaucoup ont estimé que c'est un geste du président de la République, alors que des journalistes ont écrit que c'est un geste du président de la République, un cadeau du président de la République. Et quand ça sort comme ça, ça fait penser à plusieurs choses. Ça fait comme si le président a sorti de sa poche son argent pour pouvoir acheter ses véhicules, ses 117 voitures pour pouvoir donner au maire. Alors, souvent, il faut faire extrêmement attention. La semaine dernière, on en a parlé parce que souvent, les gens ont rapidement l'erreur de confondre le travail du gouvernement et le geste personnel du chef de l'État. À plusieurs reprises, on a vu des cérémonies où quelqu'un dit « Bon, si on a pu inaugurer aujourd'hui ceci, c'est grâce au président de la République qui a fait personnellement ce geste-là. » Il faut faire extrêmement attention parce que je pense que ça peut dénaturer un tant soit peu la réalité. La réalité, par exemple, c'est qu'on a un dirigeant qui peut insuffler une dynamique. Dire que ces nouveaux maires, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir se déplacer, il faudrait donc mettre à contribution les ressources de l'État pour pouvoir acquérir donc des moyens en termes de véhicules pour pouvoir permettre à ces maires-là ou à ces élus de pouvoir bien faire le travail. Et il faudrait éviter également qu'on assiste à une situation où les maires vont dire que les milliards qui ont été alloués ont permis d'acheter des voitures. Et je pense que c'est une solution, mais il faut faire extrêmement attention parce que le président, nous savons que en temps normal, ce n'est pas un milliardaire. C'est un employé également de l'État. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas un milliardaire. En temps normal. C'est ce que je dis. En temps normal, ce n'est pas un milliardaire. Et si à chaque fois, on sort pour dire que ceci a été fait grâce au geste personnel du chef de l'État, vous imaginez du 1er janvier au 31 décembre, tout ce qui est listé comme geste personnel du chef de l'État, mais il va sortir le plus pauvre du pays. Et ce n'est pas ce qu'on demande. On demande que quand on élit quelqu'un, c'est pour qu'il soit le guide, pour qu'il donne des instructions, pour que les gens puissent faire. Maintenant, si vous dites que c'est son instruction qui a fait que vous avez réussi à faire ceci, il faut faire la part des choses. Oui, ça peut être sur instruction personnelle du chef de l'État, comme vous voulez, Et on sait, le président de la République, c'est vrai, il lui arrive aussi de faire des gestes personnels. Il y en a. Mais là, dans la situation actuelle, c'est le gouvernement qui a offert les 117 voitures. Pas comme ce qu'on essaye quand même de nous faire croire à travers certains écrits et certaines choses qu'on voit. Justement, c'est là où on se pose la question de la déontologie du rôle du journaliste en société qui normalement vient éclairer et non porter l'information à confusion. Parce que si le journaliste écrit
et le public et la population commencent déjà par y croire, c'est dangereux. Ce n'est pas un don du chef de l'État. Parce que si on dit c'est un don du chef de l'État, celui qui va l'utiliser aussi va croire qu'on lui a donné, et il peut l'utiliser comme il veut. Et lorsqu'il ne sera plus du côté de cette fonction, il va penser qu'il va l'utiliser. Et surtout si ce dernier appartient au parti... au pouvoir, peut-être. Oui, du chef de l'État. Voilà. Voilà, il va vouloir aller à la maison avec, faire des activités personnelles avec. Or, c'est pour une fonction, c'est pour un travail. Le maire, c'est un travail. Il a une mission et c'est ça. C'est pour la mission, lui octroie aujourd'hui la voiture. Donc, sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, nous, le journaliste ou encore ceux qui pensent que c'est du novici pour les maires, ce n'est pas du réel. Cette voiture est octroyée justement pour un travail. Justement, même le programme Novisi, c'est un programme du gouvernement. Du gouvernement et non du chef de l'État. Et ce n'est pas une invention du taureau. La plupart des pays qui ont pensé à des programmes pour sauver les populations dans cette situation ont pensé quand même à un geste à ces populations vulnérables. Donc ce n'est pas une initiative du Togo pour dire ouais, vraiment, lui, c'est ça et tout ça. Il faut juste comprendre que c'est un gouvernement qui veut faire ceci. C'est tout. Ceux qui tentent de faire croire que c'est un don personnel, déjà, tu les comprends, Kevin? Non. Moi, je pense qu'au contraire, ils sont en train d'enterrer en un temps soit peu, au moins 50% de la population. D'accord, je m'explique. Tout de suite, on va personnaliser le geste. D'accord? C'est ça qui va permettre à quelqu'un, peut-être, qui peut peut-être arranger la devanture de sa maison, il va dire non, le chef de l'État n'a qu'à venir faire. Parce que s'il a donné l'argent pour qu'on paye le véhicule, pourquoi il ne viendrait pas faire sa devanture? Et c'est dans ça que nous sommes depuis les dépendants de ce pays. C'est dans ça que nous sommes. Les gens sont capables aujourd'hui même de mettre peut-être du goudron, c'est-à-dire de la route pour arriver à la route principale. Mais c'est parce qu'on dit non, le chef de l'État a donné tant. Lui aussi dit non, je ne le fais pas, donc j'attends le chef de l'État pour le faire. Là, on est en train de reculer. Et je pense qu'on doit cesser à un moment de personnaliser tous les gestes. Si c'est le gouvernement qui l'a fait, le gouvernement accompagne toujours. Et le gouvernement doit toujours accompagner. Mais si il faut toujours mettre l'individu là devant pour le faire, c'est nous-mêmes qui le chargeons. Oui, il le fait souvent, il arrive aussi de faire des gestes. On est d'accord et on salue également ces gestes. Mais quand ce n'est pas le cas, ne tentez pas quand même de traverser la chose. Moi, je comprends cette Elisabeth, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. C'est anodin, mais quand on traduit ça... Justement, c'est les véhicules en question. Bon, allez, très bien. Ouais. Je crois que chaque mairie a reçu déjà la clé de sa voiture. Ça a été fait. Justement, c'est anodin, mais quand on parle de la mentalité à améliorer ou à modifier au Togo, je crois que ça fait partie de ça aussi. Quand quelqu'un se lève et ose dire, par exemple, aujourd'hui sur les réseaux sociaux que le chef de l'État au Togo, c'est carrément une dynastie, etc., c'est l'interprétation de ces informations erronées. Le pays est gouverné par des personnes. Ce n'est pas une seule personne qui décide, même si il dit « Ok, je valide ». Mais il y a des conseillers, il a à ses côtés des gens vraiment bien réfléchis qui ne sont pas forcément du même nom de famille, par exemple, et qui travaillent. Je pense que cette information, on doit vraiment très bien, comme on le fait aujourd'hui, la corriger pour que les personnes puissent comprendre. Vous êtes, en tout cas, ceux qu'ils font ne sont pas en train de faire du bien au chef de l'État. Il faut le dire clairement. Voilà. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière? Ce sont des griots. Moi, je suis dans ma rubrique, heureusement. Ce sont des griots. En réalité, ils le font pour leurs propres intérêts. Pour qu'on dise demain que oui, j'ai dit ceci en bien de vous, donc j'attends à ce que vous puissiez également m'accompagner, vous puissiez également m'aider et tout ça. Sinon, en temps normal, quand on dit que celui-ci a fait un don, il faut à tout prix regarder le revenu de cette personne. Je ne veux pas regarder en dehors de la présidence ce que le président prend, mais si à chaque fois on liste tout ça, ça fait comme si c'était un voleur. Parce que si c'est quelqu'un qui a autant d'argent pour pouvoir donner à chaque fois, du jour au lendemain, ou chaque jour, faire un geste personnel chaque jour, ça veut dire qu'il puisse quelque part d'autre que dans son salaire. Parce que je ne vais pas enlever mon salaire chaque jour et tout ça, ça ne me restera rien du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont aller jusqu'à dire qu'il puisse
dans la caisse de l'État et qu'il confond la caisse de l'État à sa poche. Il faut faire extrêmement attention parce que au moment venu, on dira également que c'est un dictateur parce que, oui, c'est toujours lui qui fait ceci, c'est toujours lui qui fait ceci. Et Elisabeth le disait si bien, faisons la part des choses. Très bien. On a des dirigeants, on a quelqu'un qui valide, on a quelqu'un qui autorise, mais qui consulte également des gens pour pouvoir également voir les avis divergents. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on puisse, aujourd'hui, à partir de maintenant, que des gens puissent comprendre qu'il peut avoir des gestes personnels du chef de l'État. Et il y en a, depuis qu'il est là, il y a plusieurs gestes personnels qu'on constate, mais il y a des gestes du gouvernement qui, dans sa mission, sait qu'il est important de pouvoir faire ceci. Ah. Il est important de pouvoir faire cela. C'est comme si on a des ministres marionnettes qui sont là juste pour pouvoir dire « Président, oui, je vais là-bas. Ok. » Eux aussi réfléchissent à la fin d'un gouvernement. Oui, mais eux aussi donnent l'impression. Ils donnent cette impression. Il faut justement. Bon, donc, voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est peut-être ça les arrange. Les ministres, à chaque fois, c'est finalement, seulement sur instruction personnelle qu'ils exécutent des choses. Eh bien, c'est clair qu'on puisse les confondre. Là, oui. Je voulais aussi aller dans le même sens que Elisabeth quand elle disait en fait qu'il faut faire la part des choses. Oui, aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse le travail du gouvernement et le travail du chef de l'État. Il faut que ça soit vraiment clair dans la tête de nos concitoyens. Parce qu'il y a un gouvernement en place, il y a des projets mis en place dès le début de l'année qu'on vote. Donc, c'est juste le dénouement ou le déroulement de ces projets que nous sommes en train de voir. En aucun cas, ça ne viendra toujours pas forcément de la poche privée du chef de l'État. Ça peut toujours, ça peut venir. Pas toujours, ça peut aussi arriver. C'est un déroulement d'un projet mis en place depuis le début de l'année et que ça suit. Et arrêter d'embrouiller un peu les gens, tout simplement. Oui, surtout même arrêter de... d'embrouiller comme tu l'as dit, parce que tu sais, à un moment, je dis, le chef de l'État, c'est un homme qui réfléchit. À un moment, il peut pas, c'est que on n'a pas la chance peut-être de le recevoir souvent dans les émissions, mais si on va y arriver, oui, mais si le gars veut parler on va y arriver, il faut que ça démarre d'ailleurs. Non, on va y arriver. Oui, s'il veut parler un jour, je pense qu'il doit verser des larmes, parce qu'il y a des choses que les gens disent sur lui, il n'est même pas au courant, il ne sait même pas d'où ça vient. Aujourd'hui même, un voleur, il vole, on l'attrape, on commence par le frapper. C'est sur l'instruction personnelle du chef. Arrêtez ça. C'est pas ça. On a vu des voleurs, on les a arrêtés, ils avaient son effigie. Ils avaient porté son t-shirt. En fait, lui, finalement, c'est comme une poubelle. Il prend tout. Il prend tout. C'est logique, hein. C'est le premier. Non, mais attendez là. Parce que j'ai vu récemment une photo de certains braconniers. Je crois que c'est à Cara, non? Oui. Il y a un qui portait un t-shirt à l'effigie du chef. Il dit, mais attendez là. C'est ça. Bon. Hein? C'est ça. Mais, sauf que le t-shirt ne l'a pas sauvé, le gars. Ça peut pas le sauver. Ça peut pas aller. Très bien. Bon, quelques messages avant de poursuivre. Lui, une bonne émission à vous. Juste un coucou particulier à tous les camions qui ont arraché les lampadaires sur la nouvelle route qui mène au Ghana. Bon, c'est un salut particulier. C'est un salut vraiment particulier. Vous notez, non? Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup là. Je serai milliardaire. Oui. Comment? Bitodra où? Milliardaire où? Ah, bon, en tout cas, j'ai un bitodra personnel. D'accord. Allez, bonsoir et bonne émission à vous. J'aimerais dire à notre sœur Elisabeth qu'elle a trop fait de l'euphémisme en disant aux femmes enceintes ce qu'elle a dit. Bon, voilà, c'est pas bien, dit notre ami. Allez, ok, c'est noté. Et c'est dans l'interprétation de ce qu'il a compris. Hein. Ce que j'ai dit, je ne parlais pas de la situation de la femme enceinte. Je dis, il y en a certaines, en termes d'hygiène, qui oublient qu'elles sont en circulation et qu'elles jettent juste le crachat sur ceux qui sont moment, en circulation. C'est vrai, j'ai tenté aussi de le dire. On comprend ces femmes enceintes, mais au même moment, les autres aussi ont le droit de Il y en a franchement qui en font vraiment... Franchement, ça dépasse. Et c'est vrai que la situation, c'est pas facile, mais il faut également avoir de quoi pouvoir se soulager quand on est dans le besoin. Ça également, c'est un aspect important.
Bonsoir le plateau. Ce qui s'est passé au Cameroun avec les 2 milliards donnés aux populations par le président, c'est la même chose qui s'est passé au Togo. Dites-moi, le maire de Golf 5 a accepté prendre la voiture. Bienvenue depuis Goyassi. Pourquoi il ne prendrait pas la voiture? C'est un maire, c'est un élu. Et s'il exerce depuis son élection, non, il faut que les gens puissent comprendre certaines choses. Il faut que les gens puissent comprendre à partir d'aujourd'hui qu'un opposant, quoi qu'il en soit, dès qu'il va à une élection locale, par exemple, il ne peut pas dire... on avait vu une image un peu insolite, les gens avaient ri, mais c'est comme ça. Dans le bureau du maire, qu'est-ce qu'il y a? C'est la photo du président. Le portrait. Que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition, vous travaillez pour l'État. Vous êtes un employé de l'État. Et donc, justement, c'est ce que nous disons. C'est l'État qui a offert des voitures. Et donc, puisque c'est l'État qui... Si c'était le président qui avait pris son téléphone pour vous dire « Monsieur le maire, je vous offre ceci », il va se dire « Je ne suis pas de votre bord. Je ne sais pas pourquoi vous allez m'offrir ça. » Il peut refuser ou accepter. Bon, il peut l'accepter ou refuser. Oui, maintenant, du moment où ce n'est pas personnel, je pense que c'est la confusion et aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens sont en droit d'accepter. Et puis, le maire est élu pour un mandat de 5 ans. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il peut partir après. Il peut partir. Et quelqu'un d'autre viendra utiliser ce véhicule. Voiture. Bon, voilà. Donc, allez, arrêtez. Merci. Bonsoir particulier à Pampa. Hein. Vous êtes tous merveilleux. Ne vous laissez pas dire le contraire. Allez, merci. C'est gentil. Merci. Les véhicules donnés au maire est le résultat du financement de l'État et non le contraire. Bonne émission. Mathiran. Ah ouais, ça faisait longtemps, ouais. Monsieur Mathiran. Mais merci. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et la séparation du pouvoir. Bon, d'abord, il dit, vous voulez qu'on dise que qui a donné à part le président? C'est de cette façon on nous a appris la chose. Bref, on fait des éloges pour gagner quelque chose. Gustave, la séparation de pouvoir est confondue parce que de la tête aux pieds, on appartient au président. Bon, c'est Gustave. Non. Changeons la mentalité. Non. Oui, je suis d'accord. Il faut qu'on commence par changer vraiment de mentalité. Parce que comme on venait de le dire en début d'émission, le jour où le président va vraiment taper sur la table, ça serait un vrai... Ah oui, lui aussi, il attend quoi pour taper du poing sur la table? Parce que ça fait longtemps que cette situation dure. Et il le sait. Oui. Il ne va pas quand même... En fait, voilà. Il y a autour beaucoup de griots. À un moment donné, il faut refuser certaines choses, clairement. Il y a beaucoup de griots. Oui. Vous savez, le griot, c'est pour ses intérêts. Tous ceux qui sont en train de déformer ou de dénaturer l'information, ils ont des objectifs cachés. Mm. Quoi qu'il en soit. Sinon, en temps normal, je vais sur un terrain, je sais que l'État doit faire ceci pour les mairies. Je viens, le compte rendu, c'est que l'État a fait ça. Mmh. Le gouvernement a fait ça. Mmh. Pourquoi est-ce que je suis obligé à chaque fois de forcer pour mettre le président de la République dedans? J'ai comme l'impression que les gens ont un calendrier dans leur tête et ça les regarde. Allez. Sauf que la population va toujours se mettre dans la tête que c'est toujours Fogne Assimbé qui donne de l'argent ou c'est lui. Et donc, quand on a besoin d'argent, il faut aller chez le président. Donc ça veut dire qu'il a des caisses cachées quelque part. C'est pas bien. C'est comme les députés. Allez, le député a son salaire. Ouais. Et donc quand il y a une situation, s'il peut, il va sortir de son argent. Ça c'est personnel. Mais maintenant, s'il ne peut pas, faire des lobbying, c'est son travail. C'est faire des lobbies. Maintenant on a des députés qui disent quand vous allez m'élire, je vais faire ceci, je vais faire ceci, oui, je vais faire cela. C'est des vendeurs d'illusions, tout simplement. À la fin, tu te rends compte que tu n'as pas la compétence. C'est des vendeurs d'illusions. D'ailleurs, député ne viendra jamais vous conseiller une route. Non, c'est pas vrai. Il ne peut pas. Le député ne viendra jamais. Non, il ne peut pas. Clairement. Allez, Palanga Maglué, bonne émission à vous toutes. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. J'aime beaucoup les interventions de Jacques et d'Elisabeth, qu'ils continuent dans cette optique. Je salue aussi Giovanni. Très bien, c'est Stéphane depuis Adido Gomé. Merci. Bonsoir le plateau. Vous m'excusez de le dire, il y a certains journalistes et des patrons de presse qui ont leur ventre trop devant. C'est juste pour passer à la présidence et voyager avec le chef de l'État pour des missions. Les journalistes, faites la part des choses. Ok. C'est signé LG depuis Thévier. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon.
C'est pas bien. Dans tous les cas, si les gens font ça, c'est pas bien. Voilà. Mais j'ai pas vu des gens voyager parce qu'ils ont autant crié, chanté le nom du président et tout ça. Bon, mais si ça arrive, franchement, je pense que c'est le moment de changer et de faire comprendre à tout le monde que le travail exige qu'on dise la vérité à la population. La population doit être bien informée pour qu'elle puisse faire la part des choses et comprendre que le chef de l'État est là, également employé par l'État, pour pouvoir faire certaines choses. Bonsoir le plateau, bonne émission. Salut le geste du gouvernement. Mais qu'il en fasse de même pour les conseillers pédagogiques, nous dit Frédéric depuis les sentiers de Covier. Oui, ils en ont aussi besoin. Ils ont besoin de quoi? De véhicules. Les conseillers pédagogiques, oui. Ils font aussi un travail de terrain. Ils font un gros travail de terrain. Je pense que... Il faut penser à eux. J'ai vu un conseiller pédagogique qui m'a fait pitié un jour. Il a acheté une moto qui n'a pas fait un an. Quand tu regardes l'état de la moto, franchement, c'est pas bien. Et c'est sorti de sa poche. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec celui-ci. En fait, tous les agents qui sont sur le terrain, normalement, doivent être véhiculés. Et la plupart, en tout cas, le gouvernement fait l'effort. Maintenant, comme il le dit, il faut qu'on puisse continuer par faire ces efforts. Voilà. Bonsoir, chers animateurs de l'émission. Félicitations pour le débat du jour. C'est un thème très important pour la population. À mon humble avis, c'est un abus et une manière de vénérer le chef de l'État en disant que c'est le don personnel du chef. Il connaît son programme depuis le premier jour de son accession au pouvoir et tout geste ne relève pas d'un don. Ouais. C'est son devoir et cette inutile de rappeler que c'est son don. Voilà, merci. C'est un téléspectateur qui nous écrit du Burkina Faso. Merci beaucoup à vous. On vous salue et merci à tous ceux qui nous regardent depuis Ouagadougou. Voilà, on a dépassé largement le temps imparti à cette chronique. On va quand même observer la transition et puis on va revenir et derrière vous aurez les rues de couloir. Instant artiste, infotainment, qu'on a sucré hier, Elisabeth. Ben bon, voilà, je vais quand même te faire la part belle aujourd'hui. Hein. Allez, on revient tout de suite après cette transition. Conçu à base d'extraits de carottes et de papayes, le savon Cumix nettoie en profondeur votre peau pour la rendre plus douce et éclatante. Médicale et antiseptique, les gammes de savon Cumix protègent votre peau contre les germes et participent au renouvellement cellulaire. Cumix, votre meilleur soin. Voilà, retour sur le plateau et ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Merci à vous tous. J'aime bien cette émission et il y a toujours des idées contradictoires et ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui me dit par exemple qu'un député peut faire construire une route, ça dépend de sa volonté et de sa détermination. Oui, ben, vous faites bien de dire qu'il peut faire construire, peut-être en faisant des lobbies comme on a dit, en cherchant des fonds ailleurs. Mais on a dit une chose, lui-même de sa poche, il ne peut pas. Il arrêtons de pas. Nous tromper. Il gagne combien Ça fait 1,5 million. 1,5 million. Oui, par mois, fois 12, fois 5 ans. Il a un mandat de 5 ans.
Et il doit vivre. Et il doit faire vivre sa famille. Il doit vivre. Il doit faire vivre sa famille. Il y a aussi les amis qui viennent souvent. Parce que moi, je me rappelle, il y a certains qui sont partis voir un député. Il leur a donné 5 000. C'est vrai que. Non, j'en connais. J'en connais. Le gars, il ne peut pas donner plus que 5 000. Le député a donné 5 000. Et puis quand ils sont venus évoquer le sujet, ils étaient furieux et tout ça. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, c'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête. Eux-mêmes ont fait croire aux gens. Voilà, c'est ça. Sinon, en temps normal, j'ai un salaire d'un million cinq. J'ai mon train de vie. J'ai ma famille. J'ai également mes propres projets. Parce qu'il y a certains qui sont chefs d'entreprise et tout ça. Mais dans les 1,5 million, qu'est-ce que tu vas garder pour pouvoir dire que tu vas construire une route, même si c'est un seul kilomètre? Non, quel kilomètre? Quel kilomètre? S'il pouvait, avant même d'être député, il allait démarrer, sincèrement. Ouais. Ce n'est pas après son élection, il va dire qu'il pouvait le faire. Il ne peut pas, soyons réalistes. S'il demande peut-être des financements pour pouvoir le réaliser, mais de sa propre poche... Malheureusement, la majorité, c'est d'ailleurs ce qu'on leur demande, c'est-à-dire que quand ils sont à ce niveau, c'est de pouvoir avoir de bonnes relations, d'entretenir de très bonnes relations pour pouvoir faire développer leur milieu. Sinon, lui, il est venu pour chercher de l'argent. Attention. C'est ça. Voilà. Bon, allez, on fait quoi Au moins 5 000 là, c'est pas bon. Hein? 5 000 là, c'est pas bon. Il est toujours député. Le premier n'est plus député. Maintenant, le second, lui, il t'appelle en fait. Et tout le monde est devant toi, il te voit, il pense que pour toi, ta vie a changé. En fait, c'est 2 000 qui vient de Tu vois le député, il dit, honorable vient de m'appeler. Oh Seigneur. Attendez, au moins lui, dans 2000, moi je connais un. Maintenant, tu vas même le recevoir en émission en partant et te dit, bonne émission pour la suite. Il s'appelle comment? Je ne dis pas. Imagine, tu le suis et tout le monde t'attend. Tout le monde attend ton retour. Et tu reviens. Il se connaît. Merci de le souligner. C'est-à-dire, il y en a qui le font, je le dis clairement. Ça y est, vous recevez la personnalité. Oh, et puis à la fin, elle vous tient par la main et puis vous sortez. Les autres vont croire des choses. Et puis vous sortez et dire, merci, je t'appelle. Bon, c'est pas le sujet du jour. Vraiment. Bon, allez, arrêtez. On va faire un crochet dans le couloir. C'est mieux. Eh bien, Bélévita, une info, voilà. Regina Daniel, c'est qui déjà? Regina Daniel, c'est une actrice nigériane, âgée de 19 ans, voilà, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux quand elle s'est mariée à un monsieur de 59 ans. Monsieur Ned Okonkwo. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le scandale dans sa maison, vu qu'elle était la sixième femme du monsieur, la sixième et la plus jeune, elle pensait qu'elle était la dernière du monsieur. Mais dommage pour elle, elle est dans tous ses états cette semaine parce que le monsieur compte épouser une septième femme. Voilà, donc, premièrement, pour Regina Daniel, c'est un choc d'être la sixième femme d'un homme âgé de 60 ans et de se rendre compte que cet homme est prêt à encore prendre une autre femme. C'était une promesse pour qu'elle soit la dernière. Voilà, elle pensait en tout cas. Et pour finir, à croire que la famille de Regina Daniels ne tient qu'à se mettre en relation ou bien tisser des liens de relation avec les milliardaires. Le comble de tout, c'est que sa maman vient de se fiancer à un ami proche de son mari, de Monsieur Ned. Voilà. Donc, en ce moment, au Nigeria, c'est vraiment le buzz. On se dit, c'est quelle famille? Tout le monde veut épouser un milliardaire. La fille épouse d'abord le monsieur et la maman se fiance à l'ami du monsieur. Très bien. Tu sais, moi je dis à un moment, les gens, tout le monde a sa prison. Tout le monde a sa prison. Tout le monde a son diable également. Chacun choisit son diable, chacun choisit sa prison et il vit tranquillement.
Parce que si elle a choisi un milliardaire, bon, quitte à elle d'assumer les responsabilités. Seulement que celui qui a de l'argent, avant que tu ne le pousses, bon, il ne faut pas demander où l'argent est sorti. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se sont battus avant que l'argent là ne vienne. C'est dans ce tous les cas, tu es sixième. Toi-même, tu savais que tu étais sixième. Tu sais que la cinquième, là, tu sais ce qu'on lui a dit pour qu'elle soit cinquième. Donc sixième, là, même si on te dit que tu seras dernière, dans ta tête, prépare-toi à autre chose. Mais dans tous les cas, comme il le dit, chacun a ses réalités. Il faut juste faire avec. Elle seule sait ce qu'elle a fait pour Mais elle se disait qu'elle était jeune à 19 ans. Il faut laisser ça. Il y a 17 ans aussi, non ? Après 19 ans, il y a 17 ans. Il y a 16 ans. Non, allez. En tout cas, courage. Courage à ceux qui souffrent dans ton couloir. Oui. Voilà. Bonsoir à vous. C'est quand ils vont arranger le pont Kona sur la route de Bassa. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'on vous a demandé de faire attention en empruntant donc cette route. Et voilà, pour l'instant. Jouons à la prudence, tout simplement. Bien, maintenant, quand on aura les détails, on pourra en parler. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Bon. Kevin est là? Ouais. Ah oui. très bien. Oui, bien sûr. Elles sont artistes. Juste le jingle, Fadel. Et puis, on va découvrir les nouvelles sorties. Allez, Kevin. Oui, ma gloire. Ah oui, Instant Artiste. Oui. On a deux sorties, c'est ça? Oui, deux sorties tout cet après-midi. J'attends vivement la deuxième, oui. Et vous comprendrez tout de suite le pourquoi. Oui. Mais d'abord, on va s'intéresser à la première vidéo. Ezolédé, c'est Ben Lozaski et Solo Baba. C'est deux jeunes, sont des jeunes très jeunes artistes qui sont en train de se battre également pour se donner un nom dans le sphère musicale, dans la sphère musicale togolaise. En tout cas, ils font bien parce que ils apportent. C'est-à-dire le sphère. Ou bien c'est la sphère. Bon. Quand il connaît pas. Ah oui, j'ai suivi un film comme ça où le gars devait prononcer trois mots magiques avant de s'emparer d'un livre sacré. Mais au troisième, il a oublié. Et donc, il a toussé. Il a toussé. Il s'est emparé du livre. Les conséquences derrière, ne me demandez pas de vous les raconter. Allez, Kevin. Voilà, la vidéo est intitulée. On est dans la sphère. Dans la sphère musicale. Allez, super. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais. La vidéo est intitulée Ezolédé. On va regarder tout juste l'extrait et on revient. Voilà, allez, on a vu en tout cas, Kevin. Ouais, en tout cas. On a vu. C'est bien. Maintenant, la suite. La deuxième sortie, ça c'est un hommage. Un hommage qui est rendu par un artiste, un talentueux, un jeune rappeur du nom de Topper Katana. En tout cas, il a un punch à part et il chante Eyadema pour rendre hommage au feu Nyasimbe Eyadema. On regarde l'extrait et on revient. Le talent du grand lutteur, des passionnés de la chasse. Il est pour ceux qui ne le savent pas, un amoureux des chansons grivoises, surtout celles que l'on chante en chœur dans les casernes. Nengus Filpana! Il dit ceci.
Menant témoin de succès d'argent, de toute façon mon taf a payé la caution. Dommage que la vie d'aujourd'hui se limite seulement à tout ce que nous postons. Mille et cadeaux donc et mille et wadi, pour ça que jamais nous ne nous pressons. Toujours en train de taffer, quand on voudra million, c'est là nous nous reposerons. À ça la grand Yema, quand je vais rentrer dans tes locaux. Hâte de toi de monter où ta papier négus va tout niquer pour des années. Bébé tu crois que c'est la pagaille, attends que je pull up dans ton bendo. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais te faire du leus à tous les jours, c'est ce qui se passe. Je suis un kazekage et tous mes gars sont calés, ton équipe a taillé. On est dans le carré, t'as peur de bataille. Toi ta fleur à fan, il faut pas faire le mal et prendre autant ton pas les pics. Ouais, voilà, c'est Topper Katana. Oui. Mm-hmm. C'était l'hommage rendu à Freya Dema. Non, son hommage est important pour quelqu'un qui a marqué l'histoire du Togo. Voilà pourquoi on demande quand même à tout le monde de marquer son passage, son existence. Oui, je pense que c'est important, quelqu'un qui est décédé en 2005. Et si en 2020, quelqu'un se souvient de lui pour sortir une chanson, je pense que ça veut dire que durant sa vie, il a vécu. Il a très bien fait et donc on ne peut que saluer la en tout cas merci beaucoup. Merci, ça fait énormément plaisir que je puisse continuer par saluer ce artiste. Non, oui, je pense que c'est capital parce qu'au-delà de tout, on connaît l'histoire. Nos enfants continuent par apprendre l'histoire de certains pays, alors que par rapport à ces différentes sorties, on peut quand même apprendre qu'il y a quelqu'un qui a vécu, qui a dirigé le Togo et qui est parti en 2005. On peut l'aimer ou pas, mais l'essentiel, il a marqué... Il a marqué de son passage. De son passage, oui. C'est le plus important. Moi, je dis bravo à ce jeune. Maintenant, après cette chanson, il faut qu'il confirme avec une chanson qui quittera donc le passé pour venir vers le... Elisabeth ? Oui, je crois que Jacques a parfaitement raison. Hein. Moi, je célèbre mon anniversaire le même jour que son décès, par contre. Et donc, oui, chaque année, je suis toujours marquée par ce tome. Danger, le morceau est puissant, Abidjan puissance, et ma dobré prod, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Didier Drogba, la légende. Djouma Saïd, le 45. Abidjan y'a la trabose, Colossoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le Baba Djeo. C'est le Bouka, c'est le Bouka, de Paris. C'est le Bouka, y'a Bouka, eh. Oh, Saga Pichichi, eh. Aïa, Jean-Olivier Akuno, Yasko le Choka, Boude Kabongo, si c'est du boulevard. John Pri-Prié, Afrique, voiture, Ifori, Formano, Ipe de Lausanne, Abidjan, y'a la trabosse, Gattuso, le lait,